Bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir pour un nouveau live de mon défi 365 jours en live. Je crois que c'est le 26e, mais j'ai un petit doute. C'est marqué en description. Alors, il est 22h39. Encore une fois, je sors de la douche avant d'aller me coucher et je viens papoter avec vous. On va voir si ce soir il y a du monde. Si vous êtes en replay, eh bien je vous invite à me mettre un petit hashtag replay et ce que vous aurez envie de me partager. Pareil, si vous êtes en replay sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser aussi des commentaires. Ça me fera plaisir de venir vous répondre. Vous avez toute la playlist hein, sur YouTube si vous avez envie d'aller voir d'autres vidéos. C'est vous qui voyez. Alors, ce soir, alors souvent, la journée passe et puis je ne sais pas exactement, en tout cas là, au 26e live en général, la journée passe et je ne sais pas forcément ce que je vais vous dire. Et puis c'est sous la douche, quand la journée est terminée, que je m'apprête à aller me coucher, que tout d'un coup, les idées viennent et que je me dis, ben voilà, je pourrais leur parler de ça. Et puis ce soir, je me suis dit, ben, de quoi je pourrais leur parler? Ah, ben tiens, il y a ma parabole Starlink qui va arriver. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu depuis le mois de mai, j'ai eu des soucis de débit internet, j'ai loué un bureau, etc. Et puis, voilà, j'ai commandé la parabole Starlink d'Elon Musk pour avoir un meilleur internet ici, à la maison. Mais je vous en parlerai certainement une autre fois, je vous en parlerai quand elle va arriver. Parce que quand même, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais si je retrace ma journée, parce que généralement, c'est ce que je fais, je retrace ma journée et j'essaie de voir qu'est-ce qui m'a le plus challengé, qu'est-ce qui m'a impacté, est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de vous partager parce que je pense que ça peut vous être utile, est-ce qu'il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a une inquiétude, est-ce qu'il y a quelque chose et en retraçant ma journée, je me suis dit, mais en fait, tu veux leur parler de la parabole. Mais qu'est-ce que tu veux pas leur dire, en fait? Parce que la parabole, je ne l'ai pas commandée aujourd'hui. Je l'ai commandée il y a déjà quelques jours. Je ne l'ai pas reçue aujourd'hui. Pourquoi tu veux leur parler de la parabole? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de leur dire aujourd'hui parce que ça te dérange ou parce que t'as pas envie de le dévoiler ou pas envie d'en parler. Et en fait, il s'est passé quelque chose aujourd'hui et je vais vous le livrer. Je vais vous livrer les coulisses, les choses. Et en plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin pu finir de faire les montages du bonus avec Aurore Leroux et il y a le making of, toutes les parties un petit peu coulisses et puis un petit peu drôle et puis un petit peu l'arrière-scène. Donc en plus ça fait un lien avec ça. Je vais vous partager en toute vulnérabilité les coulisses de la création d'un premier événement en ligne. En ligne, pas du tout. En présentiel. Parce que j'étais en train d'écouter à côté, du coup, j'ai pas dit le bon mot. Vous le savez, ou peut-être pas, donc que je suis créatrice de sommets en ligne et que j'accompagne aussi des entrepreneurs à créer leur sommet en ligne. Et j'organise mon premier événement en présentiel, le festival Connexion, avec des intervenants qui ont participé à un de mes sommets en ligne. Et ça se passe donc à Bordeaux le samedi 20 août. C'est mon premier événement, je suis super contente, je suis super contente du programme qu'on a créé avec les intervenants, qui est un programme de ouf, vraiment. Et aujourd'hui, donc on est le 2 août, je crois, et je dois d'ici la fin de la semaine confirmer au traiteur que j'ai choisi pour le cocktail déjeunatoire. Je dois confirmer le nombre de personnes, le nombre de repas
que je vais commander en fait. Alors c'est pas des repas, mais c'est pour un nombre de personnes, 5 cocktails. J'ai déjà fait une pré-réservation pour 30 personnes et donc j'ai versé un acompte de 30% de la facture. Aujourd'hui, 2 août, alors que j'avais une prévision de 50 inscrits, 50 festivaliers, je ne compte pas les intervenants bien sûr, j'ai 15 inscriptions. Et y a une certaine déception. Voilà, il y a une certaine déception. Alors, j'ai envie de dire pas tant pour moi, parce que déjà, je trouve qu'il y a déjà 15 personnes qui ont payé leur place, qui sont de belles personnes, qui ont envie d'évoluer, envie d'apprendre, envie de connecter, envie de se reconnecter à elles et aux autres. Mais je me dis qu'on ne va jamais arriver à 50 inscriptions. Et la déception, elle n'est pas forcément pour moi et je ne mettais pas d'ambition financière sur cet événement. Je voulais juste pas perdre d'argent sur mon premier événement. Donc, hey, coucou Estelle, j'espère que tu vas bien. J'avais mis comme objectif que je voulais faire un premier événement. Alors, ça fait longtemps que j'y pense. Et puis, je m'étais dit, oui, je ne suis pas prête. Je vais attendre 2023. Et puis, à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, j'ai dit non, mais je vais faire la première édition. Au départ, je me suis dit, bah, allez, on va juste proposer une sorte de rencontre, de pique-nique, d'auberge espagnole. Je ne savais pas trop. Et puis quand même, je me suis pris au jeu. Puis j'ai dit non, je vais quand même faire une première édition avec du contenu, avec des beaux ateliers. Yes ! Avec, voilà, avec de belles personnes que je connais la valeur. Je vais faire ça bien. Donc, il va y avoir un cocktail. J'ai choisi un traiteur végétarien, zéro déchet. Le soir, il y a un food truck qui vient. Enfin bon, voilà, vraiment au niveau de l'organisation, je suis super contente et je suis super contente d'organiser cet événement et d'avoir déjà cette qualité, même si ce n'est pas encore passé, mais d'avoir déjà cette qualité pour le premier. Mais là où j'ai ressenti une certaine frustration, une certaine déception, c'est par rapport aux intervenants, justement. Puisque, hey, coucou Sylvie, comment tu vas? Dis-moi. Et cette déception, elle est par rapport aux intervenants à qui j'ai dit, on va organiser un festival, et puis il va y avoir, voilà, je peux aller jusqu'à 50 festivaliers. Donc c'est aussi de la visibilité pour eux. Et là, aujourd'hui, voilà, il y a 15 inscrits. Alors, c'est pas fini, on est bien d'accord, on n'est pas encore le 20, il reste 18 jours, mais moi j'ai besoin, super Sylvie, mais moi j'ai besoin aussi de valider samedi le nombre de personnes. Alors, je peux toujours en prendre plus, hein, puis de toute façon, je vais aviser d'ici samedi, puisque 15 inscrits plus les intervenants, plus certains conjoints voilà, qui se joignent à nous, on est à 24. Voilà. Donc là, on est presque aux 30. Donc peut-être je vais, suivant combien il y aura d'inscrits samedi, je vais peut-être augmenter, voilà, peut-être dire, ben, vous prévoyez un cocktail pour 40 personnes. Bon, je ne sais pas encore exactement. Mais j'ai partagé, donc j'ai un petit groupe Messenger avec les intervenants et je leur partage, je les tiens au courant voilà, du nombre d'inscrits, de par qui ils arrivent, s'ils arrivent par eux, si c'est des gens qu'ils connaissent. Et je leur ai partagé ça en leur disant, ben voilà, je voudrais vous me déposer aujourd'hui, vous dire que j'ai une certaine déception, pas pour moi, mais par rapport à vous. En fait, comme une sorte de pas de culpabilité, mais de se dire oui, je leur ai dit, ça va être un festival, il va y avoir 50 personnes, et puis on va peut-être pas être 50.
Et donc j'avais besoin de leur dire. Certainement pour être rassurée aussi, en tout cas peut-être pour être consolée. Alors tout le monde n'a pas encore répondu parce que tout le monde n'a pas encore vu le message, mais les personnes qui m'ont répondu, celles qui m'ont répondu, m'ont rappelé déjà que le courage que j'avais de faire ça, l'entrain que j'avais de le faire, cette capacité que j'avais de réunir aussi des intervenants autour de moi, de leur donner aussi la possibilité de se rencontrer en vrai, comme on dit, en présentiel, de partager ça. Sylvie, tu dis, en effet, pas facile lorsque l'on organise un événement que l'on a à cœur et que le résultat ne correspond pas à nos attentes. Oui. Alors, je sais que le résultat en termes de contenu et en termes de qualité va correspondre à mes attentes. Ça, je le sais. Ah, les filles, elles se disent bonjour, elles se connaissent. mais c'est sur le nombre de personnes inscrites, voilà, que ça ne correspond pas forcément à mes attentes, mais c'est OK. C'est OK. Et ce que je vais vous partager, c'est... j'aurais pu ne pas vous en parler. Et d'ailleurs, au départ, je m'étais dit, vouloir raconter les coulisses, quand ce sera passé, quand ce sera fini. Et en fait, tout à l'heure, je me suis dit, mais à qui tu mens en faisant ça? À qui tu mens de ne pas leur partager les coulisses, puisque ce que tu leur as promis, c'est de les emmener dans cette deuxième année d'entrepreneuriat et de leur dire qu'est-ce qui se passe, de leur partager ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je vis les choses. Mais si je ne vous le raconte pas au moment où je le vis, si je vous le raconte après le 20 août, mais je ne vous raconte pas vraiment la vérité en fait. Et donc, je ne me permets pas non plus à moi de grandir dans ce chemin-là. Donc tout à l'heure, en sortant de la douche, je me suis dit, mais arrête de mentir à toi-même et de vouloir leur parler de ta parabole là. Pour l'instant, aujourd'hui, on s'en fout de ta parabole parce que c'est pas... Il n'y a pas vraiment d'enseignement là, pour l'instant, sur l'histoire de la parabole. Pas maintenant qu'il y a l'enseignement. L'enseignement, il était au moment où j'ai pris la décision de prendre un bureau, mimer, tout ça. Là, je me suis dit, oui, il faut que je leur partage ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut que je... Et même pour moi, quoi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est que je leur ai partagé cette déception. Je leur ai partagé... Et donc, j'ai eu ce retour-là des intervenants, en tout cas de celles qui m'ont répondu à l'heure où je vous parle. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont répondu entre-temps, là, mais je ne le sais pas. M'ont dit, mais écoute, bravo pour ce que tu mets en place, bravo d'oser le faire, bravo de réunir du monde. Il y a déjà 15 inscrits, c'est déjà super. Et toutes, on a eu des retours de gens qui nous ont dit, oui, mais je ne suis pas disponible, je ne suis pas rentrée de vacances, ça m'aurait intéressé, mais là, voilà, c'est pas possible. Et là, je repense à mon conjoint qui, je vois, je sais pas si tu es toujours là, Pascal, mais. Il est dans la chambre, mais je vois qu'il vient de se connecter. Quand j'ai dit le 20 août, et puis qu'il m'a dit t'es sûre pour le 20 août que c'est une bonne date? Et moi, je l'ai envoyé chier en lui disant ah, ça suffit, hein, de rabat-joie, de casser la baraque, tout ça. Et effectivement, peut-être que le 20 août, c'était pas la meilleure date. Et donc, je suis déjà en train de réfléchir à l'année prochaine. Probablement, ça va être le deuxième, premier ou deuxième samedi du mois de juin. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les intervenants m'ont dit, écoute, pour nous, tout est OK. Tout est OK. Et s'il n'y a que 15 personnes, eh bien, c'est les meilleures 15 personnes qu'on pouvait avoir pour ce festival. Elles m'ont dit que voilà, elles étaient en joie de participer, elles étaient en joie de venir aussi se rencontrer. Parce que c'est aussi des personnes qui ont participé au premier et ou au deuxième congrès de l'écologie relationnelle. Et elles vont pouvoir se voir en vrai, connectées en vrai, se faire un vrai câlin. Et puisqu'elles m'ont rappelé, elles m'ont rappelé, et j'en ai des frissons là rien que d'y penser, elles m'ont rappelé les paroles de notre mentor, Martin Latulippe, parce que toutes, on est mentorées, on est toutes dans l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Et toutes, elles m'ont rappelé, tu sais ce qu'il dit, Martin, la première fois où il a organisé le live de l'Académie Zéro Limite à Paris. Là, nous, on y est allé au mois d'avril.
était 1800 dans la salle au congrès de quoi d'ailleurs? Je sais même plus comment ça s'appelle. Au Palais des Congrès, au Palais des Congrès de Paris, on était 1800 en 2022. Mais la première année où il l'a fait en 2012, je crois, ou 2011, ils étaient 50. Ils étaient 50 et Martin, quand il raconte, il dit on était 50 dans une salle miteuse, 50 pelés et entendus. Je sais pas s'ils disent ça les Québécois, mais et là, alors moi en plus, je vous accueille, enfin j'accueille les festivaliers, en tout cas ceux qui sont inscrits, je vous accueille même pas dans un endroit miteux. Je vous accueille à l'espace Calliopolis d'Esther Kerouac, Arctique près Bordeaux. Donc en plus, c'est pas un endroit miteux. Mais elles m'ont rappelé, les filles, elles m'ont dit rappelle-toi. Ce que dit Martin. Au départ, on commence petit. Et l'idée que j'ai envie de vous partager ce soir, et j'en ai déjà parlé dans un autre live, mais voilà, je le répète parce que c'est ça aussi la pédagogie, c'est de répéter des fois les mêmes choses, et aussi parce que vous n'êtes pas tous en train de regarder tous mes lives, mais d'accepter d'être vu en train de démarrer petit. Et c'est l'apprentissage d'aujourd'hui. C'est que peut-être que ce festival ne va pas répondre à mes attentes en termes d'inscription, mais ce festival va m'apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Et autant mon premier congrès de l'écologie relationnelle avait été tout de suite une réussite avec 2000 inscrits, avec 100 coffrets vendus, un chiffre d'affaires qui avait dépassé les 11 500 euros pour un premier événement en ligne, c'était waouh. Et là, je vais peut-être devoir accepter, c'est même sûr, je vais accepter, quel que soit le résultat, quel que soit le nombre d'inscrits, accepter d'être vu en train de démarrer petit. Et ça, je vais vous dire, c'est bien autre chose que de vous parler de ma parabole Starling qui va arriver. Allô, Anne, oui, tout est toujours parfait. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'aurais pu ne pas en parler. Et je comptais au départ pas vous en parler maintenant. Je comptais vous en parler après. Après le 20 août, faire une rétrospective et vous dire « Ah là là, vous savez, à un moment donné, j'étais déçue parce qu'il n'y avait que 15 inscrits. Et puis finalement, on en a eu 30, on en a eu 40, ou finalement, on en a eu 18. Je ne sais pas combien on en aura au final. » Mais je me suis dit que non. Si vraiment je voulais être honnête, on est au 26e live. Si au 26e live, je commence à vous mentir par omission, et ne pas vous dire vraiment qu'est-ce qui était le plus grand apprentissage de ma journée, ça ne sert à rien de continuer pour 365 jours. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'inscrits on va arriver. En tout cas, sachez que nous, on y met tout notre cœur dans la préparation de cet événement. Ça va être vraiment un très bel événement. Et sachez que donc, si vous êtes dans les parages le 20 août, toutes les places ne sont pas encore vendues. Vous avez vu la petite bannière pub qui vient de passer, tut tut. Donc voilà, donc en tout cas, je remercie vraiment, très chaleureusement, les personnes qui me font confiance pour cet événement, que ce soit les intervenants ou les festivaliers. Voilà, je suis quand même vraiment en gratitude d'avoir cette chance de pouvoir organiser mon premier événement en Gironde, sur mes terres, dans un espace de coworking que je connais. Et ça, ça va être top. Et alors, en plus, là où je suis super contente, c'est que Valérie Maillet, qui travaille avec moi sur la création des sommets en ligne, qui m'aide sur tout le support technique pendant les lives, va venir passer quelques jours à la maison. Donc, elle va arriver le jeudi soir et elle va repartir le mercredi. Donc, non seulement elle va être là pour m'aider le vendredi, mais en plus, on va passer quelques jours, 3 jours ensuite ensemble. Et là où je suis aussi super contente, c'est que Laetitia Donnez, qui va être mon grand témoin
alors pas pour mon mariage. Je dis ça, au moment où je me dis ça, je dis non, mais là, je suis pas mariée, moi. Pas encore. Mon grand témoin pour le congrès de l'écologie relationnelle, la 3e édition. Donc, Laetitia Donnez va aussi venir passer quelques jours à la maison. Elle va arriver le vendredi soir, elle va repartir le dimanche. Et voilà, elle va venir à la maison parce qu'elle traverse la France et que elle va elle aussi contribuer à cette nouvelle édition du congrès et que donc je lui offre un matelas chez moi. On va s'organiser, la maison est grande quand même. Donc voilà, donc je suis aussi super contente et puis je vais être super contente de partager ce moment avec, avec les intervenants puis avec les participants. Ce n'est que le début de ce beau festival Connexion. Et je vous donne déjà, si vous n'êtes pas disponible cette année, le samedi 20 août pour venir à Bordeaux, l'année prochaine, début juin, j'ai pas encore décidé la date, mais je sais qu'on m'a dit qu'il fallait que je la donne rapidement. Donc dès septembre, de toute façon, vous aurez la date de la 2e édition du Festival Connexion. Probablement toujours à Bordeaux, mais peut-être dans un autre lieu. On verra. Allez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une belle nuit. Merci d'être passé me faire un petit coucou. Je répète, pour ceux qui seront en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay et puis me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de venir vous lire le lendemain. Voilà, merci beaucoup. Anne, je te souhaite une belle soirée. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle nuit et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.